Lunette est allée dehors. Regardez, les poules aussi, elles sont toutes dehors. Les moutons aussi sont dans le jardin. Et les oiseaux. Tous les animaux sont dehors. Il faut qu'ils viennent à l'intérieur. Eh bien, Wawa peut vous aider. Il a son badge à l'intérieur. Oui. Va à... Oui. L'intérieur. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Qu'est-ce que j'entends? Tu m'as piqué ma réplique. Ouf, ouf, ouf. Qu'est-ce qui se passe, mon pote? Le temps est en train de changer. Alors, tout le monde doit aller... à... l'intérieur! Oui! On a tout le monde, Wawa? Oh, ouf! Ah, ça m'a l'air confortable. Ouf! Cool, mon pote, un bœuf. Ouais. Qui veut un cocktail de fruits? Moi, je veux bien. Cette fête, c'est la fête de la neige. Or, j'ai 10 pizzas hawaïennes, 10 pizzas margarita et une pizza au poisson pourri. Ah, tu caresses une tortue. Ça ne te semble pas un peu dur au toucher? Fille. Un poisson rouge, c'est un peu trop mouillé pour pouvoir le caresser, Youpi. Oh, j'ai trouvé un animal à caresser. Aïe. Ah oui, Nini, les hérissons sont un peu... piquants. Ouais. Oh, caresse. Oh. Tu sais, Rouli, les oiseaux sont un peu difficiles à caresser. Ils sont... caresse. Bon, peu importe. Caresse. Coucou, Tag. Je caresse la limace. C'est mignon, Tag. Mais ne la trouves-tu pas un peu gluante? Ne t'arrête pas. Ça me fait tellement du bien. Oh, je ne peux pas caresser cet animal. Eh bien non, Rouli. Oh, certainement parce qu'il est un peu trop volant. Oh. Oh. Trop sautillant. Oh. Trop gros. Trop hystérique. Trop féroce. Trop petit. Qu'est-ce qui se passe, Betty? Je n'arrive à trouver aucun animal à caresser. Oh, quel dommage, n'est-ce pas, Wawa? Ouf, il doit bien y avoir un animal quelque part par ici que tu peux caresser. Hmm. Oh. Tu as le dos qui te gratte, Wawa? Ouf. Et ça, ça te fait du bien? Oh, regarde, les petits loups se sont endormis. Wawa, moi
je n'ai pas réussi à m'endormir. Eh bien, Wawa pourrait t'aider, Tag, parce qu'il a... Ah, wouf. Son badge sommeil. Oui. Il existe différents moyens de trouver le sommeil, Tag. Ah, wouf, wouf. Wouf, wouf. Regarde comment Minette se prépare à faire un petit somme. Oh, c'est vrai. Ça y est, Wawa, je crois que le tour est joué. Ah, wouf. Je n'arrive toujours pas à m'endormir, Wawa. Il y a trop de lumière. Oh, pourtant de nombreux animaux dorment le jour, Tag. Oh, wouf, wouf. Car ce sont des animaux nocturnes. Oh. Le blaireau, par exemple. Il se creuse un terrier où il se réfugie pour dormir au calme dans l'obscurité. Je vais faire comme le blaireau et me terrer dans mon terrier. Toujours pas. Il fait beaucoup trop chaud là-dedans. Oui, dormir dans un terrier n'est pas fait pour tout le monde. Ouf, ouf, ouf. Très juste, Wawa. Certains animaux dorment en hauteur. Les chauves-souris, par exemple, elles dorment suspendues à l'envers. Je n'arrive pas à dormir. Oh, ce n'est pas grave, Tag. Il reste un tas d'autres moyens de trouver le sommeil. Oh, ouf, ouf. Et oui, certains animaux dorment debout. Je n'arrive pas à dormir. Les tortues, elles, dorment recroquevillées en rentrant leurs membres. Je n'arrive pas à dormir. D'autres animaux aiment dormir en s'agrippant à quelque chose. Non, je n'arrive pas à dormir. Ouf, ouf. Ah oui, il y a la loutre de mer. Ouf, ouf. Bien sûr. Oh, il n'y a rien. Le bruit vient de là-bas. Oui. Alors c'est toi qui faisais tout ce bruit. Oh non, cet ours polaire a le nez qui coule. Pauvre petit ours polaire. Je me demande bien comment on pourrait l'aider. J'ai trouvé! Il faut qu'il se mouche le nez! Oui, mais on n'a pas de mouchoir! Ah, si seulement nous avions un grand morceau de tissu! Un grand morceau de tissu? Comment on va faire? On n'a pas de grand morceau de tissu! Oh, wouf! Bien sûr que si, on en a! Oh, quelle bonne idée, Wawa! Oh, wouf! Ouf, ouf! Mouche-toi le nez! C'est mieux comme ça, ours polaire? Oui, j'ai moins envie d'éternuer maintenant. Ma maman me dit tous les jours de me moucher. Mais moi, quelquefois, j'oublie. Il vous reste juste le temps pour une dernière chose. Un wakalin. Oh. Wakalin.